Vous pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays. Mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden.
Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de chose qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Bon, au boulot. D'abord, changer de bureau. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83.
8 victimes disparues ces 3 dernières années. Tout étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé, de type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Un seul magasin d'origami en ville.
Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Est-ce que tout va bien, monsieur ? Il faut que personne ne remarque. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé ? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc ? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... 16h45, je ne suis plus très sûr. Que portait votre fils quand il a disparu ? Il portait un manteau. Un manteau beige. Et un pantalon. Un pantalon vert. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez ? Vous n'êtes pas resté devant le manège ? J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé et Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police ? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, monsieur Mars ? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué ? Non, non, je ne crois pas. Tout allait bien à l'école ? Pas de problème particulier dans votre couple ? Ma femme et moi sommes séparés depuis 6 mois. Mais Sean ne serait jamais parti seul sans nous prévenir, sa mère ou moi. Bon, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis ? On dispose de 4 jours pour le retrouver. Thank you.
Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que c'est le tueur aux origamis? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Et rien de plus à dire. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serai parvenu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, émane-toi! Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard! Pose la thune sur le comptoir! Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse! Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. Travaillez dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Ah, t'es une conne, mec! T'as pas bien pigé la situation. Je vais te payer une putain de balle entre les deux yeux si tu fais pas tout de suite ce que je te dis! Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Vous auriez mieux de partir maintenant. Putain, espèce de sale connard, ouvre ta caisse! Dépêche-toi sinon. Putain! Lâche ça! Tout de suite! Bouge pas! Lève les mains! Lève les mains ou je te descends!
Écoute, ça vaut pas le coup. Range cette arme et sors d'ici tranquillement. Tu me donnes des conseils ? Je sais ce que j'ai à faire, alors lâche-moi, ok ? Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Et tout va bien se passer. T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin, qu'est-ce que t'en dis? T'es pas un assassin, hein? Tu voulais juste quelques dollars, mais tu veux pas avoir du sang sur les mains. Non, je suis pas un assassin. Pas un assassin! Maintenant, je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Mon ami et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Qu'est-ce que t'en dis? Bien essayé. Pendant une seconde, j'ai presque marché dans ton baratin. Et maintenant, file-moi la thune. Je compte jusqu'à 3. 1. Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Moi, je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux ? Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby, j'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Foutue insomnie. Je suis épuisée, mais impossible de fermer l'œil. 2h47, toujours la même heure. Je devrais aller boire quelque chose de chaud, ça me ferait du bien. Thank you.
Je devrais essayer de m'occuper l'esprit. Ça me fatiguera peut-être assez pour dormir. Une bonne douche brûlante. Des fois, ça m'aide à trouver le sommeil. Peut-être que je devrais essayer d'aller dormir dans mon lit maintenant. On ne sait jamais. Quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Yeah.